Eh bien, bonsoir à tous pour cette dernière table ronde du deuxième jour de Nice Fiction. Table ronde donc qui va évidemment être passionnante sur l'état de nature, sur le rapport à la nature et sur la distanciation sociale. Je suis absolument très fier et très heureux de réunir autour de moi un panel assez important. Nous sommes cinq. Alors malheureusement, nous sommes cinq. Il devait y avoir aussi Aurélie Pachi, qui est assyriologue et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Ça fait partie des aléas d'un festival comme Nice Fiction, 100% virtuel. Mais nous avons une belle équipe ici autour de moi, à distance, entre guillemets, autour de moi et à distance, pour parler alors d'un sujet qui vraiment va être, à mon avis, au cœur de tout le festival, dans ce thématique reboot du festival. Jusqu'où devons-nous rebooter? Est-ce qu'il faut que nous rebootions, entre guillemets, jusqu'aux origines de l'humanité, jusqu'à ce fameux état de nature, ou est-ce qu'il s'agit simplement de repenser nos rapports à la nature, de repenser nos rapports à l'environnement? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir avec mes invités de ce soir, que je vais donc vous présenter très rapidement à tour de rôle. Et puis je vais peut-être leur demander aussi de dire quelques mots s'ils le souhaitent. Alors je vais commencer par Natacha. Natacha Vazder qui est là. Tu m'entends? Voilà. Salut Natacha. Alors Oui, très Natacha, bien. est-ce qu'on te présente encore maintenant? Tu es Ah tellement... bah oui, il y a peut-être quand Voilà, même. alors tu es donc universitaire, tu es à l'université de Bordeaux, Montaigne, hein, tu travailles beaucoup sur l'histoire de la science-fiction et en particulier sur l'histoire de la science-fiction française. On te doit énormément de travaux sur l'histoire de la première science-fiction, en particulier la science-fiction du merveilleux scientifique à la française. Et tu as aussi été l'organisatrice, tu es déjà même l'organisatrice d'un certain nombre d'événements autour de la science-fiction. Tu es l'une des organisatrices du festival Hypermonde qui se tiendra, alors je n'ai pas encore les dernières nouvelles, mais a priori l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On devait en fait le faire en juin 2020 et donc ça a été repoussé en septembre 2021. Donc on est en train de voir avec nos institutions organisatrices quand est-ce qu'on pourra le faire en septembre. Voilà, mais à la rentrée littéraire Voilà, donc festival 2020. 2020, on va dire, ouais. Festival 2021, 2021, 2021. 2021, Oui. festival Hypermonde qui porte bien son nom puisque les Hypermondes, c'était ces fameux Hypermondes de Régis Messac que j'évoquais d'ailleurs ce matin en évoquant aussi Chasseurs de chimères, l'anthologie qui avait été réunie par Serge Lehmann. Et puis tous les travaux qui ont été faits donc sur cette, alors on dit parfois proto-science-fiction, mais je pense que c'est impropre. Et je rappelle aussi évidemment l'exposition qu'il y a eu à la Bibliothèque nationale de France sur le merveilleux scientifique qui avait été dirigé par Fleur Hopkins. Donc Natacha, tu es notre référente, on va dire, pour tout ce qui concerne les racines profondes de la science-fiction européenne, en particulier française. Et puis on te doit aussi un certain nombre d'ouvrages importants sur l'œuvre de Michel Jury, sur l'œuvre de Jacques Spitz aussi. Et tout ça, ce sera sans doute l'occasion d'en parler avec toi. Et j'ai amené avec moi aussi un ouvrage qui me semble important, Les dieux cachés de la science-fiction francophone, de la science-fiction française et francophone, que je citerai tout à l'heure et dans lequel tu étais évidemment intervenu de façon importante, notamment dans la rédaction de l'introduction et de la préface. À côté de toi, nous avons Dounia Sharaf Théron. Bonsoir Dounia. Bonsoir, bonsoir Hugo. Voilà, content de te retrouver. Alors, Dounia est membre de l'Université Côte d'Azur. Elle est également membre du club imaginaire, du club des imaginaires UCA. Et puis, Dounia est responsable de la bibliothèque du campus Trotaba. C'est le campus des juristes, s'il est nécessaire de le préciser. Et Dounia est également auteure de plusieurs romans et de plusieurs nouvelles. Et je sais qu'elle a à cœur de nous parler de notre rapport à la nature et de la manière dont peut-être, à la faveur de cette crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, de cette distanciation sociale, il est temps peut-être de repenser en profondeur nos rapports à l'environnement. Merci beaucoup à Dounia d'être Merci. ici également. Ensuite, je me tourne vers Loïc, Loïc Davera, qui m'entend en principe, qui est aussi là. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Loïc?
Donc je disais Loïc que tu étais à la fois archéologue et puis également donc auteur de science-fiction qui publie des romans et des nouvelles, notamment une nouvelle dans l'anthologie Civilisation de Nice-Fiction de l'année dernière, et des romans chez Realities INC, qui est une maison d'édition récente, il me semble en tout cas, qui s'est créée récemment. Donc on parlera évidemment de tes œuvres aussi et de ton rapport à la nature et à la société, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ce soir. Et en attendant le retour de Loïc, je vous présente Léo Lalo. Salut Léo, ça va? Voilà, alors, qui ne connaît Léo Lalo? Léo est un de nos plus célèbres et de nos plus fidèles modérateurs dans les éditions successives de Nice Fiction, mais il est bien plus que cela, Léo. Il est auteur. Il est érudit et quand je prononce le mot érudit, je le fais à juste titre concernant Léo, passionné de l'Antiquité, notamment de l'Antiquité méditerranéenne, grand voyageur également. Et Léo a sans aucun doute tout un tas de réflexions à partager avec nous. Et pour une fois, je suis content qu'il puisse le faire de façon aussi libre et pas en étant toujours modérateur et en étant au fond un peu limité dans ses prises de parole. Donc Léo, tu vas pouvoir ce soir évidemment nous dire des tas de choses. Donc je vois que Loïc est de retour, mais j'espère moi aussi. Est-ce que Loïc, tu nous entends bien? Bon, on a un Loïc d'Avera un peu de façon sporadique. On va peut-être commencer malgré tout, en espérant qu'il nous rejoindra. Alors, le sujet de cette table ronde, qui était évidemment formulé de façon provocatrice, hein, vous l'avez bien compris, est en prise directe avec l'actualité. Nous sortons, et je ne sais même pas si le terme de sortir est légitime à ce stade, nous sortons d'un confinement qui a été dicté et décidé au plus haut niveau de l'État pour des raisons sanitaires. Ce confinement s'est accompagné également d'autres mesures sanitaires et en particulier une mesure importante de distanciation sociale. Alors qu'est-ce que la distanciation sociale? Eh bien, c'est une mesure sanitaire et juridique, avec un régime juridique évidemment de contraintes, un régime juridique même d'ailleurs de sanctions, puisque les sanctions ont été parfois appliquées, hein, pour ceux qui ne respectaient pas cette distanciation, qui vise à maintenir une distance dans l'espace public entre les différents individus. Cette distanciation sociale, nous l'avons vécue, d'une certaine façon, nous la vivons encore un petit peu aujourd'hui, et nous risquons de la vivre encore de façon peut-être récurrente selon l'évolution de cette crise du Covid-19 ou d'autres crises sanitaires que nous serions amenés à rencontrer. Alors, que vient faire la distanciation sociale dans un festival de science-fiction? Eh bien, elle vient justement poser ce que la science-fiction affectionne particulièrement, c'est-à-dire ce que nous appelons les cas limites, c'est-à-dire des crises qui sont fréquentes dans les sociétés dépeinte par la science-fiction, une crise dans laquelle, au fond, les fondements de la société, les bases même de la société, de la sociabilité imaginaire, d'un monde imaginaire, parfois étendu à l'échelle de la galaxie ou parfois simplement situé dans un futur hypothétique par rapport à notre monde actuel, eh bien, ces crises amènent des sociétés, dans les récits de science-fiction, à repenser en profondeur leurs valeurs, leur structure, la façon dont elles fonctionnent. Et j'ai voulu confronter cette distanciation sociale et vous soumettre à votre examen la possibilité de finalement revenir au départ, c'est-à-dire revenir aux origines même de la sociabilité humaine, revenir au point de départ que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient tout simplement, dans une abstraction tout à fait assumée, hein, l'état de nature. Qu'est-ce que ça pourrait être que cet état de nature? A-t-il jamais existé? Est-il autre chose qu'une simple facétie de la part de philosophes qui affectionnaient en particulier l'esprit critique et la satire? C'est ce que nous allons examiner. Au fond, ce que je voudrais soumettre à votre sagacité, à votre esprit critique, c'est tout simplement, devons-nous revenir à zéro? Devons-nous rebooter la société occidentale ou autre, la société, la civilisation, telle que nous la concevons, et en France en particulier, faut-il réinventer complètement, c'est-à-dire pas simplement changer de branche ou changer d'orientation, mais simplement revenir à zéro, c'est-à-dire refonder complètement un état social ou une société.
Alors pour démarrer, je voudrais vous citer, et ce sera mon point de départ, un petit extrait d'un philosophe que j'apprécie pour son côté justement provocateur, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, vous le savez, philosophe du XVIIIe siècle, le trublion philosophique d'un siècle qui croyait au progrès, Jean-Jacques Rousseau s'est amusé évidemment à dire qu'au fond, l'humanité n'avait jamais progressé et que le moment, pour lui, il le dit dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et bien pour Jean-Jacques Rousseau, au fond, le seul moment où l'homme, l'être humain, a été heureux, le seul moment où l'être humain a été véritablement dans une situation d'égalité avec ses pairs, c'est au tout début de son histoire, avant même la naissance de la société, c'est-à-dire au moment où il n'était encore qu'un être purement naturel, dénué de toute considération sociale. Alors, je vous cite un très bref extrait, hein, pour ne pas ennuyer nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Voilà ce que dit Rousseau dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En le considérant, en quelques mots, tel qu'il a dû sortir des mains de la nature, je vois l'homme comme un animal, moins fort que les autres, moins agile que les autres, mais à tout prendre, organisé plus avantageusement que tous les autres. Je le vois, se tenant sous un chêne où il s'est rassasié, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et trouvant, et c'est bien suffisant, ses besoins satisfaits. Alors la première question que je vous pose est la suivante. Devons-nous peut-être nous contenter de n'avoir que des besoins et supprimer cette société factice qui nous a entraînés à avoir des désirs qui nous ont menés tout droit à la catastrophe? Alors on peut donner la parole à qui vous voulez, c'est à vous de lever la main. Allez, Léo Lalo, c'est parti. Tu as été le plus rapide, Léo, à toi l'honneur. Alors, on me dit que l'audience n'entend pas Léo, c'est dommage parce qu'il était lancé dans une diatribe assez fabuleuse contre la société. J'espère qu'il va pouvoir recommencer. Alors, du coup, je me tourne vers les autres en attendant le retour de Léo. Peut-être Loïc. Loïc, en tant qu'archéologue, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur cette vision philosophique de Jean-Jacques Rousseau sur l'état de nature? Est-ce que véritablement l'être humain était pour toi plus heureux dans les temps originels, si on puisse définir les temps originels comme un état de nature? Nous sommes en Bon. crise, les amis, car nous venons de perdre deux de nos intervenants. Il reste les femmes, heureusement. Bien. Par élimination. Bah, Je Léo vais est me tourner. revenu, peut-être il pourrait Léo finir est de retour. Alors, Léo, pourrait terminer son est-ce que tu veux revenir ce qu'il sur voulait nous dire. ça? Eh bien, recommence, recommence, cher ami. Alors, Léo nous dit, au cas où vous ne l'entendriez pas, que pour lui, Jean-Jacques Rousseau a parfaitement raison et que c'est l'invention de l'agriculture qui a tout détruit finalement et qui a amené l'accumulation des ressources et du coup, probablement le début des inégalités. Alors, Dounia et Natacha, vous n'avez pas encore pris la parole, je vais vous la donner instantanément tout de suite. Peut-être en commençant par Dounia, pour toi, cet état de nature un peu comme ça abstrait, a-t-il un sens quelconque ou l'auteur que tu es, dont l'imagination, on le sait, est très vaste, ne trouve aucun intérêt à cette réflexion directement sur l'état de nature? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'état de nature n'a jamais existé. Que si d'autres êtres vivants que nous avaient pu prendre de l'ascendant, bah, ils auraient pareillement détruit sans doute leur milieu naturel. On le voit quand il y a trop de, quand on restreint l'espace des animaux sauvages. Ils mangent tout ce qu'il y a autour d'eux, puis finalement ils finissent par tomber malades et c'est pas forcément géré. Donc je pense pas que l'état de nature ait jamais existé. Après, l'agriculture, n'était pas un cadeau, mais en même temps on a comment dire ça, un mythe ancestral, en tout cas dans toute la région qui est issue de la Méditerranée, hein, que ce soit en Europe, au Maghreb, en Asie occidentale, sur le fameux jardin d'Éden.
Voilà, et donc ce jardin, il a bien fallu le, ou bien il était complètement naturel, ou bien il a bien fallu le créer. Très bien. Très bien. Alors, Natacha, cet état de nature et ce jardin d'Éden, éventuellement, bien sûr, est-ce qu'ils sont présents comme ça dans la science-fiction? Est-ce que l'histoire de la science-fiction vous révèle des problématiques de retour à la nature ou de retour à l'état de nature dans les... Alors, c'est. Oui, vous m'entendez? Oui, C'est bon? vas-y. Ok. Oui, alors, avec la science-fiction, en fait, ça se complique un petit peu. Je voulais citer d'abord un grand philosophe qui s'appelle Hugo Bellagamba. Et... Ah, zut, elle est pas. Et voilà, comme quoi il ne faut jamais citer Hugo Bellagamba, un grand philosophe. Bon, on a des problèmes techniques, je pense qu'il y a une colère de la société contre ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de montrer qu'il faut qu'elle disparaisse. Voilà, donc je reprends. Je disais Vas-y. que, en fait, la SF n'aime pas beaucoup en fait l'état de nature et on le voit très très bien dans un sous-genre de la SF qui s'appelle le post-apocalyptique ou post-apo, où évidemment les auteurs adorent maltraiter l'humain. Et alors notamment lorsqu'on s'imagine par exemple que une société notre société donnée, en fait, eh bien, disparaît pour tout un tas de raisons. Ça peut être notamment à cause d'une pandémie. Et donc, la science-fiction, ce qu'elle nous montre, c'est que, en fait, les humains qui restent sur la planète sont soumis, en fait, à une véritable distanciation sociale. Et, en fait, il ne reste plus que quelques milliers d'hommes complètement, je dirais, dispatchés sur la planète. Et donc l'humanité risque de disparaître parce que nous ne sommes plus assez en fait sur la planète. C'est le cas par exemple du Monde en fin de Jean-Pierre Andrevon. Je crois savoir que Jean-Pierre a fait une intervention hein, dans Miss Fiction, un entretien. Et donc c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup ce roman parce que c'est un roman bah, où l'humanité disparaît suite à une pandémie. Donc c'est quand même un parallèle assez, je dirais assez douloureux à faire avec notre Coupure. On a décidément des problèmes de connexion hein, ce soir. C'est dommage parce que pour une première journée qui a très très bien marché, ça n'arrête pas de sauter. Bon, il me reste Dounia, Léo. Alors, c'est un peu la distanciation finalement de connexion ce soir. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent vont devoir reconstituer. Alors ça, voilà. Voilà, c'est bon. Natacha, on Donc a perdu une petite partie. On était sur le ouais, monde donc enfin. voilà, on était sur le monde enfin et je disais qu'en fait la science-fiction nous propose ce qu'on appelle des utopies régressives, c'est-à-dire qu'elle replace l'homme dans cet état de nature, mais avec, je dirais, une pluralité de visions. Alors, soit c'est le jardin d'Éden, comme par exemple Hermès Pérochon dans Les Hommes frénétiques en 1925. Chez Barjavel, par exemple, dans Ravage en 1943, eh bien, on revient à une communauté agricole. Donc, je ne sais pas, pour reprendre les mots de Léo, si cette communauté agricole, c'est finalement une si bonne chose pour l'humanité. Et donc, en fait, on a bah, l'humain qui disparaît, qui est complètement, je dirais, dissous dans la nature. Et puis, sans compter qu'après, eh bien, dans cet état de nature, parfois la nature est franchement pas très sympa avec l'humain. Hein, voilà, si vous regardez, par exemple, moi je pense toujours au cycle de Mad Max, où la nature n'est pas très présente, l'humain disparaît aussi. Alors, c'est une caricature évidemment de post-apocalyptique. C'est un état de nature totalement dégradé. Et puis, si vous pensez par exemple au dernier roman de Jean-Marc Ligny, donc Exode ou Alliance, où là la nature devient, suite au changement climatique, hyper agressive avec l'humain. Donc il est plus possible en fait à l'humanité de vivre dans la nature qui se défend contre lui. Et puis on a ça aussi dans le film de Shyamalan, donc After Earth. Bon, le film n'est pas génialissime, mais je trouvais que l'idée était quand même pas mal. C'est-à-dire que en fait la nature s'est rebootée pour le coup pour nous supprimer complètement. Donc tout est agressif envers l'humain et surtout la planète Terre ne veut plus d'humain. Vous voyez donc la science-fiction n'aime Ah, pas du tout Roger, l'état de ouais. nature.
Alors oui, c'est intéressant parce que finalement, grâce à toi, avec toutes les exemples que tu nous as donnés, on a pu un petit peu avoir une vision globale, c'est-à-dire que tu nous montres finalement que l'état de nature soit se situe au tout début de l'histoire humaine comme une abstraction, en amont de la sociabilité, de la naissance de la sociabilité de l'être humain, soit elle se situe plutôt comme une fin, c'est-à-dire c'est l'après-société, c'est après l'échec de la société, de l'effondrement de la société sur elle-même dans un cadre post-apocalyptique. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le retour effectivement à l'état de nature et la disparition quasi complète, hein, c'est le monde enfin que tu cites de Jean-Pierre Andrevon, c'est la disparition complète de l'humanité. Alors ce qui est intéressant, c'est cette idée d'humanité qui se disperse de plus en plus et qui revient à l'état de nature, exactement l'état de nature rousseauiste, puisque le texte et le discours de Rousseau que je vous citais, Rousseau insiste aussi sur le fait que les hommes à l'état de nature sont, je cite, dispersés. Et qu'ils ne se rencontrent que extrêmement rarement et qu'ils n'ont donc aucune raison de créer des institutions ou des protocoles d'échange entre eux. Donc, finalement, c'est comme si l'humanité se retrouvait avec cette distanciation sociale dans un préalable à la dispersion à nouveau qui nous amènerait peut-être à la disparition. Alors, est-ce qu'il faut dire distanciation, dispersion, disparition? Est-ce que c'est vraiment ça que l'imaginaire a à nous proposer? N'y a-t-il pas d'autres alternatives? Et c'est là où j'aimerais bien entendre. Alors, évidemment, j'aurais bien aimé entendre Loïc Davera, mais il est de nouveau parti. Donc, je vais me tourner de nouveau vers Dounia. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus positif dans cette crise que nous avons traversée? Est-ce que cette distanciation sociale ne pourrait pas nous amener aussi, chère Dounia, à retrouver peut-être un lien avec la nature? Oui, moi je pense que si j'imaginais un monde là tout de suite, ce serait de, je suis désolée Léo, de transformer tout le monde en jardinier, de verdir en fait tous les espaces un peu abandonnés qu'on a quand on habite les zones périurbaines, les façades, remettre du vert, du partout, voilà, le plus possible, quitte à mettre ça à l'école et que les enfants, bah, leur premier prix, ce soit la plante qu'ils ont réussi à acclimater ou revenir vers la sensation, le contact physique. Et ça passe par les plantes. On va pas toucher les animaux parce que il faut les laisser tranquilles, enfin. Mais les plantes, voilà, faire un espace où il y ait du sensitif. Une Parce sorte que de démocratie botanique en somme, c'est-à-dire où les gens seraient des citoyens verts qui développeraient leur jardin, comme le disait Voltaire dans Candide, et il faut cultiver son voilà. jardin, c'était au sens propre comme au figuré, j'imagine. Alors ça peut être effectivement une possibilité, et puis cette distanciation sociale, même si elle dure, n'empêche pas chacun d'avoir son petit potager ou son petit jardin, même sur des espaces très réduits. Moi, je connais des gens qui élèvent des petites tomates cerises sur un bout de balcon. Donc, c'est peut-être aussi ça l'une des alternatives, ces utopies vertes finalement dont on parle beaucoup et dont on parlait déjà d'ailleurs avant cette crise du Covid-19. Alors, est-ce que Loïc m'entend? Est-ce que Loïc, non. Bon, il Non, a de nouveau Loïc, c'est... disparu. Donc Loïc, c'est un peu comme l'archéologie, c'est-à-dire qu'il y a des fragments et que nous devons les utiliser pour essayer de reconstituer sa parole. Alors j'ai quand même une nouvelle hein, de Loïc Davera que je vous citerai tout à l'heure, mais je vais quand même donner la priorité au présent. Alors on a fait un petit peu le tour de cet état de nature à la fois abstrait et puis du rapport que nous avons à la nature. Léo, tu nous as dit tout à l'heure que toi tu considérais que la première erreur de l'humanité avait été finalement de développer l'agriculture. Alors c'est intéressant parce que on est également là encore dans une logique entre guillemets rousseauiste, hein, puisque Jean-Jacques Rousseau explique bien que c'est à cause du travail. Il dit bien que c'est à cause du travail que les inégalités se sont développées, puisque ceux qui fournissaient le plus de travail, ceux qui étaient les plus forts, étaient capables de plus travailler, donc d'accumuler plus de biens, d'avoir plus de richesses, et ces inégalités se sont creusées. Alors, si je vous dis qu'il faut renoncer à toute forme de travail, c'est peut-être une bonne nouvelle, effectivement, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé, chers amis, hein. Vous avez bien vu que dans ce confinement,
avons chacun et chacune été beaucoup plus en surcharge, je trouve, de travail, beaucoup plus quand un phénomène de, je dirais, de libération ou d'indolence qui aurait pu être le cas, et ça n'a pas du tout, du tout été le cas. Alors je me tourne à nouveau vers Natacha, et notamment je cite Les dieux cachés de la science-fiction française et francophone, qui est un ouvrage collectif qui a été publié sous ta co-direction, Natacha, avec une belle introduction notamment de Gérard Klein. Et alors il y a une phrase qui me semble être étroitement liée au sujet de ce soir, à cette réinvention de la société que peut-être nous impose la crise que nous venons de traverser. Tu écris hein, dans ta présentation qui s'intitule Au commencement était la religion, la métaphysique et la politique. Tu écris, je cite, Si la politique et l'engagement critique sociétal sont un des dieux cachés de la science-fiction française et québécoise, alors l'ensemble de la production littéraire et cinématographique qui va se développer dans les années 50 revient aux sources de la science-fiction. Alors, les dieux cachés de la science-fiction française seraient donc la politique et l'engagement critique sociétal. Est-ce que cette crise, au fond, n'a pas fait émerger à la surface de notre pratique de la science-fiction en France, ces dieux cachés précisément? Est-ce qu'il n'y a pas un grand retour de l'engagement politique et sociétal? Et est-ce qu'on ne risque pas, quand je dis risque, c'est sans jugement de valeur, hein, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une science-fiction très politisée, très engagée d'un côté ou de l'autre, et qui va essayer de peut-être réinventer complètement le rapport que nous avons à la politique. Est-ce que la science-fiction est en train de vivre peut-être une nouvelle crise et une nouvelle métempsychose? Alors moi, je ne crois pas que l'ASF soit en crise actuellement. Bien au contraire, elle est en train. Tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, même il y a ne serait-ce que 10 ans, je t'aurais dit, bah, c'est vrai que l'ASF est en train effectivement de se, on va dire, d'être. Et déconnecté, puisque nous venons de perdre Natacha. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue avec le flux. Voilà, Natacha, tu es de retour, vas-y. Je disais que, en fait, depuis quelques années, avec par exemple l'apparition quand même vis-à-vis du grand public de l'IA, de la robotique, bah, aujourd'hui de la pandémie, eh bien les gens se retournent vers la science-fiction puisque je crois que c'est quand même une des rares littératures qui nous parle du futur, mais aussi effectivement des crises que nous vivons au présent et qui essaie de comprendre finalement ces nouveaux mythes qui sont en train d'émerger. Et ensuite, la deuxième chose, donc voilà, la science-fiction actuellement peut être oui, une réponse. Et en tout cas, moi, je croise quand même pas mal de journalistes, beaucoup de gens qui, dans les conférences, se posent plein de questions et viennent chercher des réponses du côté de la science-fiction. Et puis, la deuxième chose, c'est que, effectivement, pour moi, la SF française, elle est éminemment politique. Je ne dis pas politisée, hein, je dis bien politique, dans le sens où chaque génération d'écrivains tente d'apporter peut-être une réflexion plus ou moins engagée sur la société. Alors, bon, d'après moi, c'est parce que la SF pose plante ses racines donc dans l'utopie, qui est une réflexion éminemment politique, évidemment, depuis le 16e siècle. Mais surtout, aujourd'hui, je crois que il y a quand même pas mal d'écrivains qui essaient de sortir de ces visions un peu enténébrées dont je parlais là dans le, je dirais, au début de l'intervention. Et puis, il y a quand même deux mouvements véritablement qui vont nous proposer des visions nouvelles. C'est le hop-punk et le solar-punk. On n'a pas beaucoup quand même de distance critique pour en parler. Et l'historienne de l'ASF, pour l'instant, n'en parle pas parce qu'elle attend que le mouvement se développe. Et il y a quand même, on va dire, par exemple, j'en ai parlé hier, mais je peux en reparler, le collectif Zanzibar avec Anne Damasio et Catherine Dufour, qui essaie de nous montrer, et d'autres, hein, bien sûr, que je n'ai pas cité, qui essaie de nous montrer, en quelque sorte, par l'invention littéraire, eh bien, par des micro-nouvelles, comment est-ce que nous pourrions changer la société à notre échelle? Parce que c'est très difficile de changer une société, comment sortir du capitalisme,
comment sortir de l'économie de marché, comment sortir de la désindustrialisation. Il y a quand même des masses de gens, il y a des populations à gérer. Et quand on parle, par exemple, du retour à la nature, de faire des jardins, etc., il faudrait vraiment un mouvement très important pour que ce que nous cultivions nous-mêmes dans une phase, par exemple, d'autonomie, puisse nourrir des familles de 4, 5, 6 personnes. Oui, c'est-à-dire que c'est Oui. quand même des éléments qui sont particulièrement complexes et il faut un fond politique, il faut une véritable volonté politique de changer complètement la société. Je ne suis pas du tout certaine qu'aujourd'hui, les politiques, ceux qui nous gouvernent, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité de la population, souhaitent changer le monde dans lequel nous vivons. Moi, quelque chose qui me fait très très peur, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on va repartir comme c'était avant. Et puis, il y a plein de gens qui sont quand même totalement en addiction avec la société de consommation. Quand Absolument. vous voyez, par exemple, des gens qui se précipitent dans les magasins de vêtements, voilà, qui vont faire la queue à Zara. Enfin, je veux dire, c'est pas essentiel. On s'en fout complètement, quoi, d'acheter de nouvelles fringues. On en a plein les armoires. Mais ça veut dire derrière que, en fait, je crois que l'économie. Zut. Ça revient. En fait, il y a des micro-coupures. Voilà. Oui, Et je voilà. disais que la société de consommation, L'addiction, tu disais bon, ah ben, l'addiction à la société de totalement. consommation. Totalement, totalement. Et il Ouais. y a des gens, je pense, Donc. pendant le confinement, qui ont été très mal à cause de ça, parce qu'ils ne pouvaient plus consommer, ils ne pouvaient plus Consommer. être dans ce que Kant appelait ce désir du désir permanent. Et donc, du coup, si on consomme plus, on n'est plus rien et on n'existe plus. Donc, il va falloir vraiment réinventer, je pense, mais très profondément, hein, philosophiquement, ontologiquement, politiquement, la société pour qu'on puisse se sortir de cette économie de marché généralisée et évidemment de la consommation effrénée et de tout ce Oui, qui va avec. et la science-fiction a donc son rôle à jouer. Tu as cité le Hop-Punk et le Oui. Solar-Punk, et on pourrait même citer simplement le retour de l'utopie, hein, de la capacité de l'utopie à envisager des futurs meilleurs, ou en tout cas des sociétés alternatives. Alors, je vois que Loïc est peut-être un peu plus stable que tout à l'heure. Alors. Est-ce que Loïc, tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Est-ce que c'est pareil? Oui, c'est bon, Oui. on t'entend. Alors, on t'avait un peu perdu, donc nous allons faire de l'archéologie du Oui. futur dans cette table ronde. On va te redonner la parole à toi qui aurais dû la voir en premier, en tant qu'archéologue et aussi en tant qu'auteur d'une certaine Alors, façon, pour parler des premiers âges de l'humanité, tu sais, de cette je vais humanité essayer de faire le lien. première. Oui. Vas-y, Oui, alors on justement, je vais t'écoute. essayer de faire le lien entre ce que disait Léo et l'intervention également. L'archéologie démontre justement que même antérieurement au néolithique, donc à l'agriculture, les traces de violence sont extrêmement répandues. Il y a un bouquin qui est sorti il y a pas mal d'années, j'étais encore étudiant, de Jean Guilaine, qui s'appelle Les Sentiers de la guerre, qui est très bien. On a des traces de violence. On les discerne moins pour les périodes paléolithiques, pour les premières périodes, parce que c'est plus compliqué, la décomposition des os, et puis on rentre quand même dans des processus de fossilisation, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une violence préexistante. Et je pense justement que le retour à un état de nature, donc finalement la vision rousseauiste, ça reste une, à mon sens, hein, en tout cas c'est plutôt mon point de vue, une fiction tout à fait dialectique dans ce sens-là. Et je pense que si souhaite nous en refaire un qui soit viable, c'est pas nécessairement, alors là je prêche pas pour ma paroisse, vers le passé qu'il faut regarder, mais plutôt vers l'avenir, et c'est un qu'essaie déjà de proposer la science-fiction avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins en fédérant plus ou moins les lecteurs, hein. D'ailleurs, il y a un livre, un roman que j'ai trouvé très beau de Sue Burke qui s'appelle Sémiosis, paru il y a quelques temps, qui montre sur plusieurs générations la colonisation d'une planète dont l'espèce dominante est une espèce végétale. Le rapport de domination est omniprésent dans les problématiques. Donc, sauf qu'il est inversé dans le roman. Donc, il faut faire très attention. Et ça rejoint un peu les problématiques sur lesquelles je travaille, qui sont les mises en concurrence des différentes composantes d'un environnement, d'un biosystème, et que l'on parvient à retrouver dans les pratiques des différentes sociétés et que l'on discerne parfois en archéologie. Mais je pense que c'est pas effectivement vers le passé qu'on trouve les réponses. Hein, ça, c'est.
Alors, je te remercie beaucoup. Du coup, je suis content qu'on ait pu t'entendre finalement, parce qu'effectivement, si je résume, si je reprends tout ce que vous avez dit jusqu'ici, hein, et on n'a fait encore qu'effleurer le sujet, au fond, c'est un fantasme dangereux que ce retour à l'état de nature. D'abord pour deux raisons, parce que l'état de nature est profondément inégalitaire, puisque les plus forts y ont plus de droits que les plus faibles. Et puis surtout, c'est un état particulièrement violent. Et même si Rousseau feint de l'ignorer, on peut se tourner vers Thomas Hobbes qui rappelle que à l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Et que donc, si on veut ne pas voir le retour incoercible de la violence et des inégalités, il faut probablement éviter de fantasmer sur ce retour à des sociétés barbares, ou en tout cas à des sociétés très très proches de la nature. Donc, il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, donc, c'est un autre état, ce ne serait pas un état de nature ou un état social, mais peut-être l'état d'une société verte, comme le suggérait Dounia, une société qui conçoive la vie d'une façon peut-être moins anthropomorphique, une société qui peut-être se penche sur la formulation de nouveaux droits. Et c'est donc vers cet espoir que je voudrais maintenant vous tourner, c'est-à-dire non pas un retour à l'état de nature ancien, mais une reformulation du rapport entre la société et la nature. Alors, qu'est-ce que vous pourriez suggérer de par vos connaissances, de par vos positionnements et même vos œuvres respectives? Est-ce que, par exemple, une société qui serait une société composée de plusieurs petites sociétés, de micro-sociétés, je pense notamment à la piraterie chère à Léo, je pense à l'œuvre de Daniel Defoe, Libertalia, est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça abandonner les grandes cités, les grandes mégapoles, les grandes structures extrêmement consommatrices d'énergie? Et est-ce que l'avenir n'est pas au fond à une nouvelle dispersion de l'humanité, à une humanité par petites communautés, par micro-sociétés, sociétés peut-être autarciques, avec des agricultures non pas intensives, mais des agricultures mesurées, individualisées, personnalisées? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet avenir-là, cette reformulation-là, est envisageable? Est-ce qu'on la trouve dans la science-fiction? Qui veut répondre? Natacha. Oui, rapidement, je crois que si on veut envisager, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle société verte, je crois qu'il faudra d'abord régler pour moi le problème essentiel. J'aime bien revenir aux fondamentaux. Moi, le problème essentiel et fondamental, c'est quand même la distribution de la nourriture. Parce qu'on est très nombreux sur Terre. Et pour l'instant, je veux dire, tant que l'humain n'arrêtera pas de se développer, il nous faut de la place, il nous faut. Alors évidemment, on a un déséquilibre total entre des continents qui sont quasiment surpeuplés et puis, je dirais, le continent occidental, enfin toute la partie du monde occidental qui utilise des terres pour produire, même surproduire. Et alors que bon. Ça revient. Maintenant, on a l'habitude. C'est ça. Vas-y. Ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord maîtriser notre démographie? Parce qu'on ne pourra pas réinvestir durablement les espaces si on ne maîtrise pas notre démographie. Pour l'instant, on est en train quand même de devenir l'espèce archi-dominante sur la planète. Vous savez que la nature, elle n'aime pas trop ça quand il y a une espèce hyper dominante sur la planète. En général, elle lui envoie des petits virus histoire de lui rappeler que voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Et puis le deuxième point, c'est si on revient sur des petites communautés. La science-fiction, elle aime bien ça, ce genre de retour à une vie effectivement Pastoral. communautaire. Ouais, pastorale. Alors, le souci, c'est que dans le retour à la vie tribale, et je reviens à ce que disait bien sûr Loïc, c'est que le retour à la vie tribale, ça sous-entend aussi la présence d'un chef. Donc, c'est un mode de fonctionnement anthropologique donc différent. C'est une société plus Oui. petite, mais c'est. Ça peut être aussi une société qui est extrêmement violente parce que du coup, on n'est plus Bien dans un sûr. système, je l'apprends pas à toi évidemment, Hugo, mais on n'est plus dans un système de droit égalitaire et on peut avoir des fonctionnements différents selon les petits groupes, selon les communautés. Je pense par exemple à Maléville.
de Robert Mel, Absolument. pardon, 1972, où après effectivement une apocalypse nucléaire, il y a des petites communautés rurales qui arrivent à survivre. Sauf qu'il y en a une où la démocratie se développe. Je dirais que c'est un groupe qui est extrêmement bienveillant, notamment envers les femmes qui restent. Et ça, c'est notre problème. C'est un petit groupe. Il faut savoir gérer aussi le rapport aux femmes, parce que derrière, c'est le rapport à la reproduction. Et puis, on a un autre groupe où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une violence extrême, les femmes qui sont esclavagisées, etc. Donc, voilà ce que nous dit la science-fiction, enfin, moi, les représentations. Et oui. C'est que, attention, le retour attention. À cette communauté. Enfin, voilà, où est-ce qu'il faut un État qui chapeaute, en fait, qui fédère ces communautés? Mais si nous partons dans un système où on va vivre dans ces petites communautés, eh bien, c'est pas forcément un modèle qui est toujours très viable et on peut très très vite sombrer de nouveau dans la violence, la barbarie. Voilà. Oui, c'est justement ça que la science-fiction nous offre, je pense, et ce que tu disais, c'est que ça nous permet de ne pas être naïfs par rapport aux alternatives auxquelles on pense, et que finalement, il n'y a jamais une situation idéale, et que si on revient par exemple vers des petites communautés tribales, comme tu disais, eh bien, ces communautés tribales ne seront ni démocratiques ni égalitaires probablement, et qu'on risque fortement d'en revenir à des modèles de type soit féodal, soit tout simplement à des modèles de type très hiérarchisé, voire monocratique. Alors, je me tourne vers Léo et vers Dounia, les deux auteurs, là, véritablement, que vous êtes tous les deux. Quand vous imaginez des mondes, alors soit alternatifs, soit uchroniques, soit futuristes, en tout cas des mondes imaginaires, comment essayez-vous d'échapper à finalement l'éternel retour de la violence? Comment essayez-vous de formuler ces sociétés meilleures dans lesquelles peut-être nous aimerions vivre après avoir vécu ce genre de crise comme aujourd'hui? Comment échapper finalement à ces problématiques de l'autorité, de la violence, de la domination? Alors soit Léo, soit Dounia, comme vous voulez. Levez la main et donnez la parole Dounia. Parole. Merci Léo. Alors moi, je détesterais vivre dans une micro-communauté. C'est clair. Je n'imagine absolument pas un retour à l'état de nature parce que là, ça veut dire retour du patriarcat, retour du contrôle sur les individus encore plus dur que ce qu'on a actuellement par la société de consommation. Et si je prends mon exemple, j'ai grandi dans un pays qui est le Maroc dans les années 60-70. C'était la dictature. On n'avait rien. Quand j'entendais France Inter, j'avais une impression de respirer. Vous vous rendez compte à quel point on en était? Moi, j'ai pas envie de revenir là-dedans. Et donc l'avenir, c'est l'état de nature, je pense qu'il faut l'inventer. Et quand je parle de relation avec la nature, c'est pas je suis pas naïve. Je sais très bien qu'il y aura toujours de la compétition, que la société, enfin que c'est dans la nature même des créatures de se combattre pour vivre. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore inventer. Très bien. C'est ça, je veux pas absolument pas. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais maintenant, il y a notamment des juristes en fait, qui réfléchissent à inventer des droits à la nature, non plus des droits naturels de l'individu, mais donner des droits à des fleuves, par exemple, ou à des éléments naturels. Vas-y, Léo, vas-y. Oui, et il y a des fleuves qui ont même des droits. Donc, on donne des droits fondamentaux à la nature dont l'être humain fait partie et il faut respecter. Donc, c'est pas un problème de conscience ou de volontarisme, c'est un problème de respecter des droits fondamentaux des éléments naturels. Alors, ouais. Jardinier de la planète. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit, Léo, malheureusement. Et je suis désolé pour toi parce qu'on me dit qu'on ne t'entend pas, que les gens qui nous suivent ne t'entendent pas. Donc, ce que disait Léo à l'instant, c'est qu'il ne faut pas opposer le rapport à la nature et la technologie, puisque c'est peut-être même cette technologie, justement, cette technique, ce progrès technique qui va nous amener à gérer notre rapport à la nature, si je ne trahis pas ce que vient de dire Léo. Et c'est justement ce qui nous permettra, peut-être, cette technologie de repenser notre rapport à la nature et de mieux la respecter grâce au progrès technique et grâce finalement à de nouveaux moyens de s'inscrire et de s'insérer. Je ne sais pas si ce sera forcément la respecter.
Ce sera la contrôler ou La contrôler la peut-être. manipuler à notre gré. Ou... On le voit déjà avec les biotechnologies et ça va s'amplifier considérablement dans les années qui viennent, avec les progrès de la génétique, dans tout plein de domaines. Très bien, ok, merci. Alors effectivement, vous voyez toutes les possibilités que nous offre hein, simplement l'imaginaire. Je voulais te faire parler, Léo, aussi de la notion même de liberté, mais je vais revenir un peu sur Loïc et Natacha. Loïc, tu n'es pas qu'archéologue, tu es aussi auteur de science-fiction, auteur de romans et notamment de nouvelles, dont deux nouvelles que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. Alors, il y en a une qui m'a beaucoup amusé, c'est Hub s'envoie en l'air. Je ne sais pas si tu m'entends, voilà, Hub s'envoie en l'air. Parce que oui, j'entends très j'ai bien. Trouvé, voilà, j'ai trouvé cette nouvelle absolument rafraîchissante et positive, absolument optimiste. C'est donc un personnage, tu peux éventuellement résumer la nouvelle, mais qui rêve de partir dans les colonies de l'espace. Il rêve de partir. Et au final, il y parvient. Voilà, malheureusement, donc Loïc était en train de nous raconter sa nouvelle, Hub s'envoie en l'air, sur l'histoire d'un junkie qui part dans l'espace, qui part pour une colonisation spatiale. Mais malheureusement, eh bien, vous ne l'avez pas entendu. Ah oui, non, ne veulent pas nous laisser parler. Léo, c'est bon. Léo a tort sur la technologie. Ah. Alors, Loïc, en t'entend, vas-y, tu nous parlais de ta nouvelle Hub s'envoie en l'air, oui, l'histoire de ce junkie qui part. Je ne vais pas la raconter in extenso, mais en fait, voilà, je voulais mettre l'accent sur la volonté individuelle, et c'est ce que j'avais fait dans la toute première nouvelle que j'avais écrite, que je n'oserais pas soumettre à qui que ce soit aujourd'hui, qui était inspirée d'un philosophe actuel qui s'appelle Tony Neri, et qui met l'accent sur le libre arbitre individuel en tant que finalement que dernière liberté. Voilà. Et l'état de la nature se fait par une fuite qui traduit en fait le libre arbitre. Voilà, en l'occurrence, pour schématiser. Très bien. Donc on voit qui. Merci Loïc, et encore vraiment mille excuses de tous ces petits tracas de connexion. Qui évidemment montre quand même qu'il est bien plus agréable d'être tous ensemble dans la même pièce pour échanger, même si c'est quand même bien ce qu'on arrive à faire. Alors, vous savez que j'aime les citations, hein, vous l'avez bien compris. Donc j'ai cité Rousseau, j'ai cité les dieux cachés de la science-fiction française, et je voudrais encore une fois citer un troisième auteur, et pas n'importe lequel, notre cher Herbert George Wells, qui a publié un essai tardif qui s'appelle De l'homme de Cro-Magnon à l'humanité de demain, de l'homme de Cro-Magnon à l'humanité de demain. Et dans cet essai, un peu de façon classique, comme on le faisait souvent dans ces essais intellectuels de la fin du 19e et du début du 20e, il imagine l'humanité de demain. L'humanité de demain, après les crises qu'elle aura traversées, crise écologique, crise sanitaire, crise guerrière après les guerres mondiales qu'il envisageait évidemment très bien. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce dernier chapitre. Il nous dit, c'est très bref, hein, si nous conservons dans nos esprits cette donnée essentielle que la paix universelle de l'humanité ne s'obtiendra jamais, si toutefois elle s'obtient que par une avancée pratiquée sur un front très long et d'aspects très divers, par des troupes très différemment équipées, avançant à des vitesses très diverses chacune et ne gardant en commun qu'une orientation générale. Eh bien, à ce prix seulement, nous pourrons construire la paix universelle. Alors, ce que nous dit Wells, c'est qu'au fond, il ne faut surtout pas uniformiser le chemin qui nous mène au futur, mais au contraire, en garder l'hétérogénéité, la diversité que chacune et chacun, finalement, en tant qu'individu, ou peut-être en tant que société, avance, nous dit Wells, à son rythme, parce que la paix universelle ne se gagnera pas d'un seul coup par la violence ou par la contrainte, mais justement par l'accumulation de petites tentatives. Et ça me fait penser à ce que disait au fond Dounia tout à l'heure, c'est que c'est cette petite évolution de notre rapport à la nature peut se faire à tous les niveaux, et notamment au niveau individuel, avec ces petits jardins Dounia. Alors cette paix universelle, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle passe par une reformulation de notre rapport à la nature? Bien entendu qu'il faut tenir et tirer les leçons de ce que nous avons vécu, mais en même temps, je pense qu'il faut se prémunir, et la science-fiction nous le permettra sans doute,
pour garder nos libertés, pour garder ce que disait Loïc, notre libre arbitre, il faut se prémunir de toute normativisation, de toute norme générale qu'on voudrait nous imposer et qui ne serait qu'une autre forme de violence. Donc j'aimerais que pour cette table ronde, vous me donniez chacun et chacune votre petit conseil, votre petite recommandation, votre petite proposition pour un monde meilleur, un monde qui ne serait ni l'état de nature ni l'état social comme nous l'avons connu, mais autre chose. Et est-ce que vous avez chacune et chacun une petite proposition d'espoir à nous donner ce soir pour non pas peut-être tout recommencer, mais peut-être pour repartir sur de meilleures bases? Alors, Léo. Bravo. Plus le lecteur scolaire. Alors, je demande, Natacha, à chacun de me faire une petite proposition pour demain, une petite proposition personnelle, une petite suggestion. Léo vient de nous dire plus de lecture de science-fiction dans les programmes scolaires. Dounia, toi qui es bibliothécaire, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bibliothèques pour demain? Avec les bibliothèques, j'aimerais qu'on applique notre credo actuel dans les bibliothèques, de la bibliothèque hors les murs, mais que ce ne soit pas parce qu'elle est virtuelle, mais parce qu'on a mis les tables dehors, dans les jardins de la faculté. Voilà. Et là, on sera à l'ombre et on aura des livres de science-fiction, Léo. Lire des livres un peu comme les premiers hommes sous le chêne que nous citait Rousseau après s'être sustenté un bon bouquin sous un arbre. Je suis assez favorable à cette vision, Dounia. Refaire sortir les livres des murs et des bibliothèques dans lesquelles peut-être on les a maintenus peut-être trop longtemps, qui sait. Loïc, hein, qu'est-ce que tu aurais comme proposition pour demain? Pas pour après-demain, mais simplement pour demain. Pour demain, que les gens cessent de renoncer à eux-mêmes, à leur libre arbitre notamment, et que l'homme cesse aussi de renoncer à ce qu'il est, qu'il ne nie plus qu'il est une composante de la nature, y compris avec tous les points négatifs qui le composent. Voilà. Et admettre qu'enfin, l'homme est un phénomène naturel, y compris dans ses méfaits, et commencer à travailler dans ce sens. L'homme est un phénomène naturel. J'espère que l'homme n'est pas non plus une catastrophe naturelle, hein, mais en tout cas, j'entends bien ce message. Rappelons-nous que nous faisons partie des phénomènes naturels. C'est très bien dit que même si nous créons des sociétés, nous faisons partie des phénomènes naturels. Alors, Natacha, qui vient de repartir et qui va revenir, j'en suis sûr, elle va apparaître dans une demi-seconde. Allez, Natacha, ne nous laisse pas comme ça. En tout cas, j'aime bien vos propositions et elles sont complémentaires. On peut lire plus de science-fiction sous les arbres et on peut se rappeler en lisant de la science-fiction que nous sommes aussi partie intégrante de la nature. Et donc, on n'a pas besoin, effectivement, et c'est ça la conclusion, cette distanciation sociale ne doit pas nous amener à un retour pur et simple, à un état de nature sans doute inégalitaire et violent, mais au contraire, de réinventer notre rapport à la nature. Alors, ça pourrait être l'occasion de citer vos projets pendant que Natacha revient. Alors, Dounia, quel est ton prochain projet littéraire? Sur quoi tu travailles en ce moment? En lien avec notre table ronde. Je travaille effectivement sur un roman de science-fiction qui sera peut-être pas très long et qui part sur une idée qui m'est... Enfin, c'est un concept que j'ai trouvé au Maroc, hein, puisque toute mon expérience littéraire vient de mon expérience avec ce pays. Et en fait, c'est dans le sud du Maroc, vraiment,